What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Dead Space. Et là vous êtes en train de me dire mais oui tu as l'air super content alors que tu as joué à Dead Space. Bah ouais c'est parce que je viens de rentrer dans le jeu là. Donc bon j'ai pas eu encore le droit au bruit chelou. Il me semble que c'est par là qu'il faut aller. Exactement, let's go. Ah là là, franchement je kiffe ce jeu. Dans tous les cas, coucou. Je ne kiffe pas ce jeu. Putain, ça commence super bien. Ouf. Putain, on dirait les trucs de la planète. Ah, enfin, les trucs de la planète en plus dégueu. Ah, connasse. Pourquoi c'est flou? Tout va bien. Trop cher de laisser les trucs sur la map. Ah ben voilà. Tu venais du trou, je paye, connasse. Sérieux. Je savais qu'il fallait que je me méfie de ces trucs. Ouverte, ouvrir, please. Allez, biatch. Oh non. Oh non les mecs, c'est pas le sas de décontamination. Je suis fait complètement viol la première fois, non? Suicide. Pas la papa. Bah, allez, on se ressuscite, c'est parti. Voilà, il regarde, mais d'entrée, mais genre ils te disent d'entrée, ils te disent voilà, tu vas mourir. Ah mais d'accord, on peut sortir si on veut, ça va. Bon bah l'ennemi, voilà, coucou. Je suis un warrior, tu comprends ça? Tiens, voilà, je t'écrase la tête, connasse. Ah merde, ils arrivent, je les entends. Ils sont où? Non, à chaque fois je me trompe pour recharger, c'est chiant. J'en veux pas de ce truc. Bon, je les ramasse, c'est trop tard maintenant. C'est ça qu'il faut prendre? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut monter avec l'ascenseur, je sais pas si on peut choisir. Non, non, on choisit pas. Ok. Isaac, tu me reçois? C'est Kendra. Ils m'ont suivi, je me suis enfuie, Amanda. Il a disparu. Kendra, où êtes-vous? Heureuse que vous soyez en vie. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ce serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Je vais continuer. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle de moteur. Ok. Ah, c'est une salle sans gravité. Ça s'ouvre ou pas? Ah, oh, carrément, une zone sans air. Oh, ça pue trop la merde ici. Entrée zone sans gravité. Bah, comment je fais moi? Comme ça? Non, c'est comment déjà? Non, c'est comme ça, non. Où je vais? Où je peux aller? Là, non? C'est triangle, hein, les mecs, pour ce... Ouais, c'est ça. Et je vais où de là? Par là? Carrément. Hein? Voilà, comme ça. Après. Mais où est-ce qu'ils m'emmènent, ces couillons? Ah, ok, de là. Ensuite... Là. Bon, je commence à manquer d'air là. Ah! Oh, comment il m'a fait peur! Mais saute! Fais quelque chose là! Tu vas mourir! Vas-y, vite, ouvre, ouvre, ouvre! Allez, brouille, il va te buter là, de con! En plus, il n'y a plus d'air là. Où je vais? Où je vais? Où je vais? Non! Non! Ouvre là! Non, non, je vais étouffer, je vais étouffer! Oh! Ça commence, c'est chaud. C'est quoi ce truc? Ah, le bruit que ça fait. Attendez, j'ai baissé le son sur ma télé. Oh putain. C'est quoi cette merde? Je fais quoi de là? Je passe? Je vais mourir là, non? Qu'est-ce que je fais? Je me soigne et je récupère ça, ouais. Et là, il y a quoi? Inventaire plein, tu fous pas ma gueule. Qu'est-ce que j'ai là? Mission, donnée. Inventaire, on va... Ah merde, fallait que je vende ça dans les trucs, bon dommage. J'utilise ça. Et je récupère ça, voilà, super. Oh non, c'est quoi ce truc là? Ça me fait trop stresser cette merde là. Regardez-moi ces trucs organiques là, mais c'est dégueulasse. Ah, mais c'est dégueu. C'est quoi ça? Oh mon dieu! C'est quoi ce truc?
Hein? Tu fais quelque chose, salope? Mon dieu, mais c'est quoi ces horreurs? Lui là, il est chelou lui. Ça bouge là. Attendez. Ça a du moment qu'on n'a pas allé là-bas. Putain. Ah mais c'est horrible. C'est même pas coincé par ces trucs dégueulasses là. Oh putain, ça pue trop la merde ici. C'est quoi ça? Je passe par là, hein. Oh, il y a des bruits, c'est dégueu. C'est quoi ces bruits? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain. What? What? Où? Où? Où ça? Ah! Mais c'est horrible! Là, il y a un cadavre chelou, là. Non, non. Oh, putain! Je t'ai vu. Je t'ai vu. Connard, je t'ai vu. Il est où? Il est où? Il y a une petite bête de merde là-bas. Oh! Mais meurs! Ferme ta gueule! Connasse. Ouais, je sais, le mec était encore vivant, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, mais je m'en fous. Qu'il a juste à fermer sa gueule. C'est quoi ces bruits horribles? Pourquoi j'ai mis le casque? Je vais me faire viol là, j'ai vu le monstre. Putain. C'est quoi cet endroit? Non, coucou toi. Au revoir. Putain. Ah! Mais c'est horrible ce truc! Est-ce que j'ai un point de force? Non, je n'en ai pas. C'est quoi ces bruits? Là, il y a une porte qu'on peut ouvrir là. What? Oh, le mec, il a voulu me m'avoir, il s'est fait exploser. Tiens, dans ton cul, connasse. Il y a un monstre là, c'est obligé. Non, il y a rien. Oh la chance. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse! Je vais baisser un peu le son du casque. Oh putain. Mais c'est horrible! Allez. Là, il va avoir des ennemis, c'est obligé. Oh putain. Attends, je veux voir juste le mec qui s'est epic fail. Regardez-moi ce monstre qui s'est epic fail. Juste epic. Et boum, il s'est tranché tout seul. Merde. Non! Cassez-vous! Comment je fais pour prendre ça déjà? Non! Je vais faire ça. Voilà, cassez-vous, salope. C'est rond pour prendre. Chaque fois, j'oublie. Il y a un point de sauvegarde là. Je le prends ou pas? Non, je le prends pas. Allez, ouvre-toi! Je crois que je vais le regretter plus tard de ne pas l'avoir pris, ce point de sauvegarde. Allez. C'est quoi ça? Boum! Non, pas de boum! Dommage. Allez! Tu vois pas que je te tranche les jambes là? Merde, c'est quoi ce passage de fou? Il y a 3000 nécromorphes! Prends la mitraillette. Mais pète-les! Pète-les! Coucou toi! Bye bye! Et toi aussi là? Julien, trouve un truc pour pas avoir peur. L'Amérique. Ah, l'Amérique. Si je veux la voir, je l'aurai. Ah, salope. Arrêtez de faire le mort. Putain. Ça y est, vous êtes... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Coucou, t'as trop fait de McDo? Les jambes, les jambes. Non, non. Les bras, allez. Quoi cette gueule horrible? Allez, on se concentre. Il y a quoi ici? Il y a plein d'explosifs, il y a un point de force. Il faut que j'aille où d'ailleurs? Par là-bas. Hmm? Il a lâché un truc? Ah, c'est de l'or, super, mais je vais avoir plein de fric là. Il faut absolument que j'aille dans un... Dans les trucs là, comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Ok, c'est la tête d'un mec, tout va bien. Alors,
Activé. Allumage initialisé, veuillez patienter. Je sais pas pourquoi ça pue la merde. Ça pue trop la merde. Quand on passe, veuillez patienter. Attends ta mort. Voilà, connasse, c'était obligé ça. Mais tourne, tourne, voilà, tourne. Voilà, putain, il a un truc, il a lâché un truc. Ah! Deux secondes, mon pote. Je te jure, attends, je te jure, mais attends! Voilà, ta tête, elle dégage. Merde. Est-ce que je recharge là? Recharge. Oh mon dieu! Regardez, les femmes, elles sont plus rapides en nécromorphe, c'est chelou quand même. Oh là, ça va. Le bon que tu as fait. Allez, mais recharge. Arrête de sauter toi. Oh mon dieu. Soigne-toi mon pote, soigne-toi. Il y a des mules là. Oh my fucking god. Ce qui aurait été bien c'est de récupérer les trucs explosifs là, de leur sur la gueule, mais j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que ça fait? Activer? Bah oui, je vais activer s'il te plaît. Zouiou, ça fait quoi ce bruit? Allumage moteur. Froid, ils étaient pas allumés les moteurs? Oui, oui, je suis pas l'histoire, et alors, t'as un problème? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, j'étais sûr qu'il y a des trucs à récupérer. Un truc de soin. Là, il y a quoi? Là, c'est l'endroit d'où j'ai vu, etc. Là, il doit avoir un truc, non? Derrière. Hmm? Même pas. Voilà, je crois que j'ai fini mon objectif. Je retourne. S'il n'y a pas de monstre là, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, je vous jure que s'il n'y a pas de monstre, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Gros problème, j'arrive même plus à parler. En face. Ça marche. Je crois que c'est reparti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite. Vite, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal. On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète. Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez sur la passerelle, vous pourrez certainement m'aider ici. Ah bah j'ai compris, c'est moi qui fais tout. Eux, ils sont juste tranquillement assis depuis tout à l'heure. No problème! Ça s'appelle de l'exploitation, c'est interdit en France. Il y a Nicole qui est là. Et pourquoi il revient lui à chaque fois? Regardez, il a plus de tête, il a plus de bras, il a plus de jambes, mais il revient. Hein. Il me fait trop peur ce connard. C'est pas possible. Ce mec, il tient vraiment à être assis. Hein. Sans bras, sans jambes, sans tête, il faut qu'il soit assis là. Mais non! Là c'est l'endroit où on peut pas m'attaquer. C'est l'endroit où il y a le stock et tout. Je peux pas m'attaquer à cet endroit là. C'est le seul endroit où je suis en sécurité. C'est de la triche aussi, non? Vas-y, stock. Alors qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai des trucs à vendre déjà. Hein, c'est sûr et certain. Balles d'assaut, combustible, découvert, blablabla. Alors, ça, je vends. Voilà. Ça, je vends. Ok, ça, je vends aussi. Voilà, donc là, j'ai 38 900 en fric. Donc, je pense qu'on est tranquille. Les recharges d'air, on les garde, on sait jamais. Trancheur, lance-flamme, découpeur. Qu'est-ce que je peux prendre? Le découpeur, c'est assez drôle parce que c'est une scie industrielle et elle ne use pas de munitions. En fait, c'est une arme de corps à corps. Je pense que je vais me la prendre. Hein. Énergie, ça risque d'être drôle, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut acheter des points de force et c'est tout. J'ai 30 000 et je peux faire que ça avec. Tout va bien. Bon bah je pense qu'on va se faire full arme. Hein. Lance-flamme, il est vraiment... Non, je pense que le trancheur c'est mieux. Hein. Voilà, comme ça on a quatre armes. Je pense que c'est le must. Et voilà, on va garder notre rig pour plus tard, genre des tenues, etc. Alors là on a quatre armes. On a ça, ça et la scie industrielle. Regardez, la scie industrielle. Ah merde! Je pensais que c'était une arme de corps à corps, mais elle a des munes cette salope aussi. Oh fait chier, c'est nul. C'est tout pourri. J'étais sûr que c'était... Oh non, je suis sûr que c'était une vraie scie. Putain, c'est pourri ça. C'est pas drôle. Vas-y, je me bats avec des scies industrielles qu'on balance à la gueule des mecs. C'est tout pourri. Non, ça y est, on a fini l'épisode 3. Ben, dis donc, ça va vite. Allez, on passe. Et il me semble qu'il y a 9 épisodes sur le Dead Space. Donc, on est déjà à la moitié. C'est un truc de fou quand même. Donc, épisode 3 terminé. Enfin, moitié. Là, on vient de finir le tiers plutôt. Hein. Et là, on va passer à l'épisode 4. Et voulez-vous sauvegarder? Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, j'aimerais sauvegarder. Voilà, j'avais dit que je sauvegardais tous les épisodes. Hein. Voilà, ça s'est fait. Chargement 100%. Let's go. Let's go, baby. Non, c'est bon, j'arrête. Ça fait deux fois que je fais ça dans mes vidéos, j'arrête pas de dire ça. Non, mais je vous jure, je suis... je joue avec des mecs et ça m'influence de la mauvaise manière. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis...
Je deviens corrompu et indécent. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, nous voilà arrivés. Bravo, dans la nouvelle station de la peur. Nous espérons que vous allez stresser comme un porc. Isaac, par ici. Elle a raison. Le système non, elle t'a menti. J'ai besoin de votre aide. Kendra, si vous me recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. L'accès a l'air meilleur de votre côté. Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige, Amand? Ce monolithe? Je ne sais rien du tout à ce sujet. Le capitaine en parle dans ses rapports, ils l'ont ramené de la planète. Sur le vaisseau? On dirait. Ils pensent que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vraiment? La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Vous mentez. Dites donc! On a plus important, là. Des ennemis en commun. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. Mais elle a raison, ce pute, c'est obligé. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine, j'expliquerai tout plus tard. Terminé. Ils ont peut-être des transmissions en mode hologramme, mais elles sont pourries, leurs transmissions. Hein. Genre, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? Non, lui, il est vraiment mort, hein, pour le coup. C'est un humain, il a plus de tête. Coucou. Et bouge! Et regarde, il bouge pas, cet abruti. Mais ouais. Mais oui, moi aussi tous les jours. Salope. Stock. Bah non, j'ai acheté tout ce que je voulais moi déjà. Les mecs, are you ready? Je passe le son de mon casque. Are you ready? Let's go. Je vais me faire avoir en traître. Je vais me faire avoir en traître. C'est quoi ça? C'est un météore, ouais, je peux faire. Genre je me fais pas avoir en traite, y'a un problème là. La passerelle est touchée, juste sur ta droite. Apparemment c'est sérieux, mais les fondations tiennent bon. Condition vitale intacte, il faut quand même rétablir le système. Allez vite. Donc là je descends, c'est bien là qu'il fallait aller, hein, rassurez-moi. Ouais, un objet récupéré là. Ça veut rien dire, mais. Voilà. Télécharger au stock chez Maki de tenue niveau 3. Ah super, bah putain, je la voulais celle-là. Ouvrir. Il est là. Et putain, t'es tranquille, toi. Isaac. Oh merde, quelle angoisse, cet endroit me rend nerveux. Les débris ont déjà fait pas mal de dégâts. Bon, Kendra ne fait pas confiance. Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit. Nous sommes juste venus là pour réparer. Rien de plus. Ce bordel, c'est le système de défense. Je dois pouvoir le réparer, mais l'alimentation principale est touchée. Il va falloir le réactiver manuellement, avec au moins 3 panneaux électriques pour remettre le canon principal en marche. Oh, d'abord, il faut activer les ascenseurs de l'atrium depuis la passerelle. Grâce à eux, vous pourrez atteindre les panneaux. Là, faut voir si Nicole elle est morte. À propos, Isaac, je pense. Faites gaffe. J'ai vu quelque non, chose. Je la vois pas. Je sais pas trop quoi. J'ai pas bien vu. Mais c'était gros. Très gros. C'était gros, très gros, merci, tu me rassures bien là. Faut trouver, en fait, Nicole c'est son prénom du coup, donc faut trouver N en majuscule toute court. Donc N, Thibaudot, non je pense pas qu'elle s'appelle Thibaudot. Hein. Nicole Williams, peut-être. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi? Faut que je sorte? Ça, tu me dis de dégager, connard. Moi je sais que tu es même pas, alors qu'est-ce qu'il y a, tiens, un problème? Je crois qu'il avait caché un monstre. Ouais, il l'a caché là. D'accord. Mais moi, je voulais juste voir où tu avais enfermé et en fait, tu le jettes. Ok. Je savais pas. D'accord. Donc, il a balancé la capsule avec lui dedans. C'est génial. Alors. J'entends taper là. C'est pas bon ça. Et le gros monstre, il est où là? Le gros monstre qu'on avait vu il y a 2 secondes. Il a disparu comme ça, genre un truc aussi gros ça disparaît. Et en plus il a dit. Coucou? Toc toc, qui est là? Ah! Putain, tire. Comment j'esquive ça? Comment j'esquive ça? Y'a pas de truc d'esquive sur ce jeu. Dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos.
Je me fais viol. Y'a pas moyen d'esquiver ça. Change d'arme, ça, allez. Dans le dos, dans le dos, dans le dos, vite, 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 bouge ton fion là, tes fesses, tout ce que tu veux. Soigne-toi. Il est où? Il est où? Il est là. Oh, le Ambra qui part, allez. Je crois qu'il est mort là, il est mort. Ouais, il est mort, super. Ah, il y avait une quarantaine en plus. D'accord. Allez, attends, je t'arrache la gueule, salope. Oh, je te mets des bifles. Oh. Allez, dégage. Isaac, ne faisons plus qu'un. J'ai entendu Isaac, nous ne faisons plus qu'un. Tout va bien. L'ascenseur de l'Atrium activé. Ah d'accord, fallait faire ça pour activer l'ascenseur, ça va. Ça je récupère, ça aussi. Plan. J'ai des points de force, je crois que j'ai un point de force. Je peux utiliser sur le cutter plasma pour augmenter les dommages si j'ai une donnée moi. Ouais. Dommage. Allez super. Le cutter plasma il est juste énorme en fait. Hein. Je suis désolé, c'est simple. C'est la simplicité même, mais c'est le must. Précis. Un bon chargeur. Une bonne puissance. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors. Hop. On se prend des météores sur la gueule, mais à chaque fois je crois que c'est des monstres. Donc, je viens de débloquer un truc là chez ma vidéo. C'est une mutinerie. Vous serez tous jugés pour mutinerie. Kain, faites-les revenir à la raison. Calmez-vous, Ben. Tenez-le. En vertu de l'article 5469, je déclare le capitaine Benjamin Mathieu inapte au service. Le monolithe doit revenir à notre église. Tête! Pitié! Désolé, Ben, mais il n'en est pas question. Traître! Hérétique! Tenez-le bien. Meurtrier! Tenez-le! Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sérieux? Quoi? Bon, j'avoue que le mec était un peu fou, mais ce qu'il lui a fait. Il est mort. Par votre faute, docteur. C'était un accident, je devais l'arrêter. Arrêtez le docteur. Ouais. Tu lui as juste planté un sale truc dans l'œil quand même, hein, ça fait mal. Ça fait très mal. Choc laser, c'est quoi ça? Ouvrir. Ouvre-toi. Oh, des balles de fusil d'assaut, c'est cool. Il est pas mort. Je savais. Ah. Tu crois que quoi, salope. Ah, en plus j'en profite pour écraser ton corps avec la caisse, voilà. Allez, on continue. Y a pas des mecs qui jouent à Dead Space pour me dire c'est quoi ça? Comment je fais pour ouvrir les trucs orange? J'ai jamais su. Merde, comment je fais pour le choper moi? Merde! C'est de la triche ça, c'est de la triche, meurs! Tiens, connasse. Comment il peut faire des sauts comme ça? Putain, il faudrait engager les nécromorphes au basket. Coucou. Ok. Je crois qu'il va falloir contourner ce truc. Est-ce que je peux le contourner comme ça? Pousse-toi. Ça marche. Oh my god! Tiens, crève. J'ai des doutes à chaque fois. C'est un truc de malade. Ah lui je l'ai tué. Oh putain. Il fait son comeback lui. J'espère qu'il va crever sur le truc là. Attendez, je vais le chercher. Il est con ou intelligent? Il est intelligent. Connasse. Bon, au cas où. Voilà. Vraiment au cas où. Hein. Alors, on va essayer de pas de se prendre des trucs de merde là. Alors, comment on fait maintenant? Je vais où? Par là. On va pas trop se presser. Hein? Oh fuck!
Meurs. Putain, ils font des bruits, ces bébés là, sinon. L'âme de découpeur. Ouais, mais je pense qu'on va tester nos nouvelles armes. Hein. On va prendre le trancheur. Ah. Allez, on avance. C'est quoi ce bruit? Et mec, les prochains qui vont venir devant moi, ils vont se faire trancher la gueule, mais... C'est quoi ça? C'est quoi? Oh mon dieu. Mais bouffe! Mais t'as vu ce que je te mets dans ta gueule de salope? Oh mais merde, je vais mourir, c'est impossible. Il m'enchaîne trop là. Il y a un truc qui électrocute là, est-ce qu'il y a moyen de le faire électrocuter? Regardez, je vais essayer de l'amener sur les trucs. Et je dois faire quoi moi? Oh putain, ça me fait peur ça. Je sens que c'est moi qui vais me faire choper. Il est où? Il est là. Viens, connasse. Et putain, mais il est chaud celui-là. Je sais pas ce qu'il a, mais... Vas-y, soigne-toi. Putain, mais il est bourré de testostérone. Il va me tuer. Ouais, je suis contre le mur là, c'est mort. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Je pense que c'était le truc à faire. Transfert d'énergie au système de défense. Je me casse. Désolé, mon pote, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Les réparations de la visée avancent. Non! Faut que j'aille au feu. Putain, j'ai réussi à l'esquiver. Par contre, j'ai plus trop de vie là. Et il va y avoir. Oh, j'ai failli aller sur le truc. Te presse pas, Julien, te presse pas. Ça serait trop con de mourir maintenant. Allez. Ouvre-toi. Ah merde. Je voulais recharger, mais vu que ça rechargeait pas avec croix, bah je me suis dit encore carré. Hein. Et je me suis encore fail. Voilà, c'était obligé, je les entendais, putain. Bande de salope. Allez, soigne-toi. J'ai plus de soins déjà. Là, il y avait un truc que j'avais loupé, ça m'étonne ça quand même. Ou alors, je suis pas passé par là. Je pense que je suis pas passé par là en fait. Parce que j'ai loupé trop de trucs. Il y a un bruit comme s'il y avait un monstre, mais moi je me casse, hein. T'es fou, je vais pas. Je vais pas rester, attendre qu'ils viennent, hein. Je me casse. Parce qu'apparemment, y en a tellement qu'on n'en finira jamais avec ces monstres, hein, donc ça sert à rien. Recharge. Voilà. Là, il n'y a pas de bouche, vous voyez, il n'y a aucun risque là. Ah, c'est énorme, j'ai pas vu que la tête elle bougeait en même temps. Vous avez vu la tête du mec? La tête de Isaac, regardez, elle bouge en même temps. C'est classe quand même. Ah ouais, les petits détails comme ça, je les avais pas remarqués. Ah putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Coucou? Au revoir. J'espère que c'était par là qu'il fallait aller. Hein. Faut revoir notre pote, non? Ah, il faut remonter. Bien sûr. Mais bien sûr, tout va bien. Va se suicider direct. Tant qu'à faire, non? Ah, il m'attend. Hein, que tu m'attends. Oh, t'as plus de tête. Il va se détacher ton bras. Ah, merde. C'est con, ça. Ils sont où? Il y en a un là. Voilà, les deux bras d'un coup dans ta face, connasse. Par contre, tu vas me lâcher un truc, s'il te plaît. Merci.
Ah, il y en a encore un, il est où? On va emprunter l'ascenseur, tant pis pour lui. Il aura raté sa chance de se faire tuer par moi. Il arrive. On est à qui cet ascenseur, putain? Niveau 3, allez, je sais pas, niveau 3. Il fallait descendre, fait chier, c'était pas le niveau 3. Putain, maintenant on peut choisir le niveau d'ascenseur, mais casse les couilles. Faut savoir ce qu'ils veulent. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que... Coucou. Non mais en fait je vais te laisser, hein. Il est trop chelou ce mec, au revoir. Le vent que je lui ai mis. Isaac, écoute ça. J'ai fouillé les rapports médicaux. C'est une bio-régénération. Ça trouve les cellules mortes, les absorbe et leur donne une nouvelle forme. Chaque agent infectieux porte une cellule qui assimile. Quant aux autres, eh bien, elles préparent le corps à être transformé. J'en déduis que les tissus sur les murs sont d'origine corporelle aussi. Un rapport dit qu'ils agissent sur l'habitat du vaisseau. C'est cool. Il y a marqué un truc là. Si... Quoi? Bon, tant pis. Hein. C'est écrit trop mal. Voilà. Je sauvegarde, non, pas encore. Il nous reste 10 minutes. Allez. C'est des cadavres sans tête. The brain behind the muscle. Merde, je crois que je vais me faire arracher la gueule là. Ça, je dois aller par là. Entrée zone sans air. Putain, allez. Ah! Je peux revenir. Putain, c'est eux qui. Les arracheurs de tête. C'est quoi ça? Putain, mais c'est des psychopathes. C'est même plus de la survie chez de cette espèce de chelou là. C'est des psychopathes. Ils accrochent les mecs au lampadaire. C'est eux qui ont fait ça, c'est pas possible. Ils accrochent les mecs au lampadaire, mais c'est n'importe. Putain, mais c'est un labyrinthe là. Par là. Coucou. Meurs là, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Activer. Transfert d'énergie au système de défense. Circuit des systèmes de contrôle rétabli. Ça a l'air de marcher. On y est presque. Putain, j'entends un bruit dégueulasse. C'est quoi ça? Oh putain, non! Il est en train de ramener les corps à la vie! Putain, j'avais dit que je devais les tuer! Putain, mais je pensais pas qu'il allait chercher sur les lampadaires, moi, les corps! Mais comment je peux le démembrer, lui? Il a pas de membres! Ouais, mais attaque-moi pendant que tu y es, connasse! Comment je fais? Je passe par là, je sais pas si je peux. Soigne-toi, on va essayer de se barrer, de les faire tomber dans les trucs de merde, là. Quelle arme j'ai? Il me reste ça. Il est où? Allez, meurs! Tiens! Viens, comme ça, j'ai pas à gâcher une mine sur toi. Viens dans le truc. Viens, allez! Allez, salope, viens! Voilà! Ça fait plus la même tête maintenant. Casse-toi. Putain, me dégoûte ces salopes. Heureusement qu'elles sont connes au final. Hein. Elles font le mort, etc. Mais. Quand ça devient sérieux. Hein. Et que tu te prends le truc dans la gueule, t'es pas si intelligente que ça, hein, salope. Allez, ouvre. Ouvre-toi. Là, c'est zone sans air. Hein. Allez, on se casse. Très zone sans air. Ça m'intrigue quand même, là. Y a un truc. Vous voyez ou pas? Je peux ou pas? Non. Bon, tant pis. Si c'est juste pour un pack de soins, je vais pas chipoter. Hein. Allez, ascenseur. Niveau 2.
Je sais pas vous, enfin peut-être vous l'êtes parce que c'est moi qui joue, mais je suis pas si pressé que ça d'aller au niveau 3, hein, parce que le mec il me fait un peu stressé, un peu badé. J'ai pas très envie d'y aller, quoi. Les mecs, j'ai une scie, on déconne pas. Qu'est-ce que c'est le coup secondaire avec la scie? Tu la tiens à distance, non? Il me semble. Putain, merde. Oh, c'est énorme. Eh, en fait, tu scies. Ah, mais après, elle se barre, la truc. Bon, dommage. Si, j'entends les ennemis, là. Mais merde, non. Me dis pas, faut que j'aille au niveau 3, là. Putain, faut que j'aille au niveau 3, fais chier. Non. Putain. Non. Viens, mon pote. Viens. Je t'en supplie, je vais te trancher la gueule. Oh putain. J'espère qu'il sera de retour. Je vais lui mettre un putain de coup de scie dans la tronche, tu vas voir. Allez. Il n'est pas de retour. Putain, il m'attend derrière. C'est obligé qu'il m'attend derrière là. Putain, que ce soit des nécromorphes ou des humains, ils font tous stresser ici. C'est barré. Sauvegarde. Je sais pas pourquoi, mais je sauvegarde maintenant alors que je sais que je vais sauvegarder dans 10 minutes, mais j'ai trop envie de sauvegarder là. Je peux pas m'empêcher de sauvegarder, c'est juste pour faire une pause en fait. Faut absolument que je fasse des pauses. Sinon, je vais pas tenir. Voilà, ça y est, pause. Allez, hop, on continue. Let's go. Moi, je fais des courtes pauses quoi. Voilà. Ils sont toujours pas morts. Laissez-moi le temps. Je passe derrière parce que j'ai pas très envie de lui tirer autre part que sur ses jambes ou ses bras. Parce que j'ai une bonne mémoire, il faut dire, et je sais ce qui se passe. Et il est mort là, non? Putain, il a une jambe, un bras, il continue ce bâtard. Je veux vraiment me buter, hein. J'ai pas touché son ventre, tout va bien. Ça va. En fait, si je vous le dis tout de suite, hein, si je touche son ventre, il va y avoir plein de petites bestioles qui vont sortir et elles vont m'attaquer. J'ai pas très envie en fait. C'est ce bruit. Vividiziou, c'est horrible. Générateur, oui, activé s'il te plaît. Système de défense. J'ai quoi comme arme? Qu'une mune. Mune. Mais la vidéo automatique du canon est foutue. Je pense pas que beaucoup. C'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. Où je vais là? Ok. Let's go. C'est quoi ces trucs? Je vois qu'il y a des putains de lames à côté de moi, ça me donne pas très envie. C'est quoi ça? Je crois que je regarde pas du bon côté là. Je suis sûr que derrière moi il y a un truc. Oh, il y a un casier, ça va. Si c'est que ça. Allez, on continue. On va se soigner, voilà. Là, on continue. Allez, c'est parti. Allez. Ouvrir. Oh putain, comment ça fait stresser. Ascenseur. Let's go. Je pense que ça va sortir de l'autre côté, hein, donc bah j'attends. S'il vous plaît, que ça sorte de ce côté, je vous en supplie, que de ce côté. Ah, oui. Putain, mais il y a des lames ou... Je rêve ou c'est des lames là? C'est des lames, non? Je sais pas. Isaac, vous allez devoir passer par l'extérieur. Sérieux? Pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert. T'es sérieux? Bonjour, alors Isaac, tu vas battre tous les monstres qui sont sur le vaisseau. Tu vas aller à l'autre bout, puis à l'autre bout, puis à l'autre bout. Et maintenant, bah tu vas essayer de pas mourir face à des puits d'astéroïdes. Ça te va? Mais oui! Pourquoi pas? Après tout, c'est mon boulot. Alerte. Impact multiple détecté sur la coque externe. Oh my god. Ça donne envie. Allez. Ils me préviennent hein, quand il y a des impacts multiples de toute façon. Là je pense qu'il va avoir des impacts. J'attends. Putain, c'était évident.
Oh là 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 là. Oh my fucking god, comment ce truc peut tenir? Juste question quoi. Par contre, je manque d'oxygène hein. Quand j'arrive là, non non, il va y avoir. Je vais me recharger en oxygène là. Heureusement que j'ai les bouteilles en fait. Ça y est, je sors. Vite, là il y a une double protection, je me bouge les fesses. Oui, je suis protégé. Allez, je me recharge encore une fois en air. Je pensais trop que ça servirait à rien ces merdes, en fait si. Hein. Ça sert trop même. Non, non. Ah mec, t'as perdu vraiment du temps pour rien. Vite, 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 avant que ça arrive. Là, voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Oh, sa maman. Oh fuck. Allez stop, y'a plus de puits là, allez stop. Allez vite, 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 vite. C'est ma dernière chance. Ouvre-toi. Oh putain. Sortie zone sans gravité. Ça y est, y'a de l'air maintenant. Semi-conducteur Ubi. Mais non, je vais pas sauvegarder là. Je sauvegarderai après d'abord. J'ai... Oh non, me dites pas que c'est ça. Oh non, pas ce passage là les mecs. C'est le passage horrible, les mecs, de Dead Space qui a fait que je peux plus piloter dans Battlefield maintenant. Je vous jure, si, si, si. À cause de ce passage sur Dead Space, je ne pouvais plus piloter les hélicos dans Battlefield. Pourquoi? Parce que le joystick n'est pas inversé lors de la pilote. Allez, concentre-toi, Julien. Putain, donc voilà, on se retrouve sur ce passage juste horrible. Je vais encore perdre. C'est une obligation. Regardez, j'ai fait 100 fois moins bien que la précédente fois. Quelques secondes, allez, j'y suis, allez. J'en supplie là, tiens un coup. Non, mais regardez tout ce qu'il m'envoie, quelques secondes. Mais non. Oh, ils sont chiants. Mais c'est chiant, putain. Mais j'ai pas l'habitude de cette vue. Et en plus, il m'en envoie 20 en même temps, c'est pas humain. Ce passage est inhumain, les gens, c'est n'importe quoi. Encore, tu te dis, les pires passages, c'est le moment où il y a plein de trucs qui se font péter. Mais non. Le pire passage du jeu, c'est ça. C'est ce truc horrible. Faut choper tous les météores, mais... Putain, mes contrôles pourris. Moi, je me rappelle quand j'avais fait cette mission, j'avais regardé sur les configs si on pouvait pas inverser la vue lors de du pilotage. Mais évidemment, vu que c'est qu'un seul passage, bah, ils t'ont pas avancé. Et là, je veux juste le semi-conducteur diamant, mais à chaque fois, ça me fait sauvegarder. Putain, cassez-vous. Je veux le semi-conducteur rubis. Voilà, merci. Hop. Là, je m'en fous, on réussit. Allez. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Thank you.
Oui. Oh putain. Oh j'ai réussi. Regardez-moi ça. Putain mais lui il est one shot tous, il fait tranquille c'est tout salope. Allez je vais sauvegarder et on va se quitter là les amis. Oh putain comment j'étais en méga stress et concentration mais genre maximal. Ouf. Ça m'a explosé. En tout cas ça fait toujours du bien de faire des vidéos un peu comme ça. Où on se défonce, etc. Ça m'a fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plusieurs choses à vous dire, tout le monde. Ben, tchuss.